Allez, salut, salut les gars. Voilà, c'est toujours bon le Sam Hospital. Donc, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Risque 225. Et aujourd'hui, je suis juste là pour vous donner une information capitale qui est. Alors donc aujourd'hui, comme je vous le disais, je voulais juste vous parler de la bourse de la Belgique. Voilà, la bourse est ouverte et ça concerne la licence et le master. Maintenant, ceux qui veulent par exemple faire des cours de six cours, c'est-à-dire ceux qui veulent faire 2 ans, 1 an, voilà, tout ça, ou bien ceux qui veulent faire aussi des stages, c'est possible de les faire. Donc la bourse de Belgique, sachez que j'avais décidé comme ça de ne pas faire de vidéo parce que j'avais pas assez de temps sur cette bourse-là, parce que cette bourse-là, elle est un peu délicate. Voilà, pour pouvoir postuler, il faut maîtriser des éléments. Donc il fallait que j'ai assez de temps pour vous expliquer cela. Donc d'abord, dans un premier temps, ce que vous devez savoir, c'est que cette bourse-là, on ne facture pas. Pour pouvoir postuler, l'admission est totalement gratuite. Voilà. Et pour tous ceux qui veulent postuler, sachez qu'il y a aussi des pays. Bon, on va revenir tout à l'heure dessus pour vous montrer un peu, pour vous dire un peu quels sont ces pays-là. Et puis on va essayer un peu de les énumérer. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais, la bourse concerne la licence, le master et les cycles courts. Cette bourse, elle est entièrement financée, c'est-à-dire en ce qui concerne les voyages et tout ça. Si vous dit frais de voyage à l'international, voilà, c'est assuré par une société. Mais de toute façon, c'est la bourse et il y a les allocations de subsistance. Voilà, pour une année par exemple, comme ça, chaque fin de mois, vous avez 1150 euros par mois. Voilà, et il y a aussi des frais d'assurance maladie et tout ça. Et aussi, il y a des frais de mission indirects, c'est-à-dire pour ceux par exemple, comme ça, qui vont aller faire des stages. Voilà, il y aura, s'il y a des stages à faire et que vous devez faire un déplacement et tout ça, c'est cette bourse là qui se charge de ça. Donc c'est à dire que en fait ceux qui vont pouvoir postuler à cette bourse, vous avez la libre circulation, vous avez une totale ingérence, voilà, et vous êtes pris en charge totalement, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, donc pour pouvoir postuler à cette bourse là, sachez que en ce qui concerne les éléments de bachelor, ceux qui veulent faire par exemple comme ça la licence, voilà, vous avez deux options. Vous pouvez faire une spécialisation en analyse des données d'entreprise, ou bien vous pouvez faire une spécialisation en pédiatrie, ou bien en néonatologie. Donc, ce sera à vous de voir. Maintenant, ceux qui vont faire le master, par exemple, il y a plusieurs éléments de master. Je peux donner quelques exemples. Vous pouvez faire une spécialisation en droit humain, spécialisation en gestion des risques et des catastrophes à l'aide de l'atmosphère. Vous pouvez faire aussi des spécialisations en économie internationale, microfinance, voilà, sciences de la santé, santé publique. De toutes les façons, même en design ou en designer, comme designer, vous pouvez, de toutes les façons, vous allez voir tout ceci en ligne. Je vais mettre le lien en commentaire ou bien en description, où vous allez pouvoir aller là-bas. Et puis moi aussi, je vais essayer comme ça de vous montrer comment est-ce qu'il faut postuler pour que vous puissiez le faire facilement. Voilà. Donc, comme je disais, maintenant, pour pouvoir postuler à cette bourse-là, il y a des éléments qu'il faut remplir, il y a des conditions. Voilà. D'abord, il faut être de nationalité des pays éligibles que je vais citer. Voilà. Donc, il y a des pays qui sont éligibles. Donc, si vous voyez que vous n'avez pas, votre pays ne s'y trouve pas, voilà, cela signifie que vous ne pouvez pas postuler. Donc je vais essayer comme ça ici de donner quelques pays pour que vous puissiez savoir, mais de toute façon sur le site il y a ces pays-là et vous allez vérifier. Si votre pays ne s'y trouve pas, vous ne pouvez pas. Donc on a le Bénin, on a la Bolivie, on a le Burkina Faso, Burundi, Cambodge, il y a Cameroun, il y a Cuba, République démocratique du Congo, Équateur, Éthiopie, Haïti, Indonésie, Kenya, Madagascar, Maroc, Mozambique, Népal, Niger, Pérou, Philippines, République de Guinée, Conakry, il y a Rwanda, il y a Sénégal, il y a Afrique du Sud, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Vietnam et Zimbabwe. Donc, ça veut dire quoi? Si votre pays ne se trouve pas, ça veut dire que vous ne pouvez pas postuler à cette bourse-là. Voilà, donc dommage, mais ce sont les conditions qui sont là. Donc, nous continuons un peu sur les conditions encore. D'abord, il faut être de ces pays-là, de l'un de ces pays-là. Voilà,
Après cela, il faut être titulaire d'un diplôme assimilable à un troisième cycle, ou bien il faut être titulaire d'un diplôme pour ceux qui veulent faire le master ou bien la licence du baccalauréat, et le master, donc, il faut être titulaire de licence. Ça, c'est ce qui est normal. Voilà, et il y a un point que vous devez savoir, c'est quoi? C'est de posséder une expérience professionnelle pertinente. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, travaillé dans une structure, si vous voulez faire, par exemple, les mathématiques ou bien la statistique, et que vous avez au moins travaillé dans une structure où on vous a employé en tant que ingénieur statisticien ou bien celui qui relève des données statistiques, voilà, vous pouvez aussi le faire. Vous comprenez? Voilà. Donc, après cela, il y a la quatrième condition qui est quoi? Qui est d'avoir au moins une langue, c'est-à-dire soit le français ou bien l'anglais. Voilà. Donc, là, ce n'est pas vraiment une histoire de je ne peux pas postuler parce que c'est soit français ou anglais. Voilà, donc. Et ensuite, vous pouvez postuler en ligne pour pouvoir obtenir cette bourse-là. Voilà, et comme je l'ai dit, c'est hyper gratuit, hyper gratuit. Donc, si vous voulez postuler, sachez que la date limite, c'est au plus tard le 28 janvier 2022. Donc, les gars, je vais tout à l'heure, je vais faire une vidéo. Voilà, je vais faire une vidéo comme ça pour vous montrer comment est-ce que vous devez postuler pour que vous sachiez au moins comment le faire et puis comment gérer. Pour ceux qui n'ont pas d'aptitude professionnelle, sachez qu'il y a une technique pour pouvoir remplir cette partie-là. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, je vous donne seulement des astuces pour que vous puissiez au moins postuler à cette bourse. Ok, les gars, à plus. Et c'était moi, Sam Hospital. Vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russo 225. À plus, les gars.